8. Le 16-18, France Bleu Isère. Et la promesse que l'on vous fait tous les soirs entre 17h et 17h30, c'est de découvrir un artiste, une artiste, de parler de théâtre, de cinéma, de fêtes, de festivals et de musique. Et ce soir, c'est musique. Et pour se mettre dans l'ambiance, c'est cette musique-là. Écoutez. Nous n'en parlons pas si souvent de l'harmonica et pourtant, il y a une grande dame de l'harmonica qui est dans le département pendant quelques jours, en tout cas, qui organise les masterclass harmonica. C'est Rachel Pla, elle est avec nous. Bonjour Rachel. Bonjour. Bonjour, on va faire connaissance. Enchantée. Avec cet instrument magnifique. Merci beaucoup. Qu'est l'harmonica ? Ben oui. L'harmonica, on le trouve dans les groupes de pop, parfois dans les groupes de rock, avec de l'accordéon, dans la musique française, les musiques de films que l'on vient d'écouter, bien sûr, avec Il était une fois dans l'Ouest. Avant de jouer un petit air, Rachel, comment est-ce qu'on en arrive à la musique et surtout à l'harmonica, qui n'est pas l'instrument de prédilection des jeunes filles? Eh ben, on est le 1er décembre, c'est pas pour rien, grâce au Père Noël. D'accord, un jour on vous a mis ça dans vos chaussures. Exactement. C'est qui, papa, maman? Les deux. D'accord. Voilà. Et qui était musicien déjà? Pas du tout. Absolument pas. Non, mélomane. Ouais. Et ils m'ont initié à l'instrument grâce à des petites méthodes pour enfants. À la base, à la maison, je jouais comme ça des petites comptines. Des comptines du répertoire américain, de la old time music par exemple. Alors c'est quoi, Susanna, ça? D'accord. Oh and the Saints, Amazing Grace. Eh ben tiens, ça donne quoi ça? Petit extrait, ou alors... Vous avez des disques de folk américaine à la maison? Oui, plein. On écoute de la musique, tout type de musique. On écoute énormément de choses. Parce que ça vient d'où l'harmonica? C'est quoi? C'est les États-Unis? C'est l'Europe? Est-ce que vous savez? Je voulais peut-être poser une colle là. C'est excellent comme question, j'adore. L'harmonica, la légende du marine band, de l'harmonica diatonique les blues, États-Unis. Vient des États-Unis. Cependant, c'est un harmonica qui a été fabriqué, conçu, inventé en Allemagne. Et qui est toujours fabriqué aujourd'hui en Allemagne, au berceau de l'harmonica, donc notamment avec la maison Hohner, qui est le premier fabricant mondial d'harmonica, dont j'ai le grand honneur d'être artiste, ambassadrice. Ouais. J'ai l'honneur d'être sur les packages des instruments sur lesquels je joue à l'international, les Golden Melody. Et c'est une maison donc d'harmonica qui est née dans les années... l'harmonica a été inventée autour des années 1800. En Allemagne, il se dit que le brevet a été déposé en 1821. Le brevet américain de l'harmonica, le Marine Band, a été déposé par la maison Hohner en 1896. Ah, mais elle connaît bien son sujet, hein. Voilà, ça fait partie de plein de petites choses qu'on aborde quand on va à la rencontre des gens. Alors dites-moi, Rachel, est-ce qu'il y a différents types d'harmonica? Vous avez dit harmonica diatonique. Moi, je joue avec un harmonica diatonique, c'est-à-dire que je n'ai pas toutes mes notes à la base. Oui, c'est un petit harmonica. Oui, il dispose de 10 alvéoles. D'accord. Il y en a des plus grands. Il y en a des plus grands. Ils ont d'autres fonctionnements, d'autres fonctions. Par exemple, Guy Dallaine, qui est le président d'Harmonica du Lac, de l'association Harmonica du Lac. De Charavine. Qui organise un petit peu tout ça. Exactement. Qui organise les masterclass et les tournées de masterclass en Isère et qui est partenaire du concert dont on va parler juste après. Ouais. Vous pouvez me faire une petite chanson de Renaud? Vous en connaissez une ou pas? Ah non, pas du tout. La balade nord-irlandaise, c'est ça, la balade nord-irlandaise. Ah, parce qu'il est venu aussi, Guy Dallaine, avec son harmonica. On y va, on le sort et on y va. Je suis pas aussi bon, c'est bricole, moi. D'accord, 20 secondes. Allez, c'est parti, avec la balade nord-irlandaise de Monsieur Renaud. C'est parti, on y va. Faut me donner le... Le la? Oui. Ah ben, je sais pas, moi, le la. Bravo à vous, Guy. Bravo. Si vous êtes là, Rachel Pla, c'est parce que dans le Pays Voironnais, Charavine, la Bluisse, Saint-Joire, en Valdenne, dans l'agglo grenobloise Agienne, vous allez quoi? Donner des cours? Des masterclass, des ateliers d'harmonica. Des ateliers d'harmonica. Exactement. À qui s'adresse-t-il? Aux passionnés qui sont soit débutants, soit avec un niveau intermédiaire, qui jouent déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, voilà, ou
un niveau confirmé, qui généralement sont des gens qui jouent depuis plusieurs années. C'est dur l'harmonica ? Oui. C'est un instrument qui demande une grande discipline quand on veut jouer ce qu'on a envie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, sont allés à la fanfare du village, jouent du saxo, jouent de la trompette, jouent du trombone, jouent du bugle, de la trompette. Et comme je disais, c'est paradoxal, parce qu'à la fois c'est un instrument qui est extrêmement exigeant, et en même temps c'est un instrument qui permet de découvrir la musique au premier abord grâce à des chansons extrêmement simples. Et c'est notamment ce qu'on fait avec les grands débutants, adultes, et aussi avec les enfants. Oui. Vous avez combien de gammes sur votre instrument ? Je peux faire toutes mes gammes, mais il y en a certaines qui sont plus difficiles à jouer. Combien d'octaves, pardon ? Alors, j'ai 3 octaves. 3 octaves, oui. En fonction du souffle que vous mettez dans l'instrument ? Alors, j'ai 3 octaves qui sont, en fait, j'ai un premier octave entre les alvéoles 1 à 4, ensuite j'ai de 4 à 7, et ensuite de 7 à 10. D'accord. Selon la façon dont je souffle dans l'instrument, je peux faire des altérations, c'est-à-dire des notes cachées, et aussi des overblows et des overdraws, c'est-à-dire des notes qui montent et qui sont aussi cachées. Exemple, dans l'alvéole numéro 4... Oui. 4 soufflés, tout le monde peut le faire. 4 aspirés, pareil. Altération. Yeah. Technique avancée fait que je peux avoir ma note. Ou alors, je peux aussi la faire monter grâce à un overblow. Pareil, technique avancée. Dans l'alvéole numéro 3, j'ai 3 notes cachées, dont le 3 aspiré. C'est magnifique. On continue à en parler dans un instant. Et donc, Rachel, c'est bientôt Noël ? Oui. Si vous mettiez, madame, monsieur, un harmonica, un harmonica dans la paire de chaussures de votre enfant, et ce serait extraordinaire. Peut-être que ça va marcher un jour. Il va le prendre, il va commencer à souffler dedans. Exactement. Quelques comptines, c'est parti. Et hop, c'est parti. En fait, pendant les 4 premières années, j'ai joué donc de mes 5 à 9 ans, je ne savais pas faire une seule altération. Parce que j'ai commencé toute seule. Oui, et à un moment donné, je suis arrivée dans une école d'harmonica. Donc là, ici, en Isère, vous avez à votre disposition, par exemple, des cours d'harmonica à la MJC de la Buisse, à la MJC de Charavine. Non, il n'y a pas de MJC à Charavine. À Charavine, à la mairie de Charavine. Avec harmonica. Avec harmonica du lac. Bien, on continue à parler de ces masterclass avec vous. Préparez-nous un petit morceau également pour la deuxième partie. Rachel Plat, qui est en Isère en décembre 2023. Expérimenté, intermédiaire, débutant, vous saurez tout sur l'harmonica. Le 16-18, France Bleu Isère. Et nous sommes avec l'harmoniciste Rachel Plat, puisqu'elle propose des masterclass en Isère en décembre. Et le décembre, c'est maintenant, c'est ce vendredi 1er. Charavine, alors dans le Pays Voironnais, Charavine, la Buisse, Saint-Jean-en-Valden, dans l'agglo grenobloise Agière. Elle répond à l'association Harmonica du lac de Charavine, avec notre ami Guy Dallène qui était avec nous, et qui permet aux jeunes, d'ailleurs, c'était le cas cet après-midi, de découvrir l'harmonica, la musique, mais ça va directement très très vite, puisque les premières notes, on les sort assez rapidement. Est-ce que le rock'n'roll est mort, Rachel ? Absolument pas, et c'est ce qu'on joue avec les élèves de la Buisse bientôt. C'est magnifique. Beaucoup. Alors avec les élèves, on simplifie, on adapte, on passe sur un riff vraiment immédiat. Ouais. Et en plus, ça sonne tout de suite monstrueusement bien. Vous pouvez faire des choses avec votre langue aussi, j'ai entendu là. Oui, il y a des effets, des wah-wah. Vous me faites un petit blues, j'adore le blues. J'imagine la pièce en fumée, on entre dans le saloon et on commande une boisson alcoolisée. C'est génial, vraiment c'est génial. Vos masterclass sont-elles complètes ou il reste des places ? Il ne reste des places uniquement à Saint-Jouard, en Valden, au château de... Clermont. Le château de Clermont. Château de Clermont. Mais alors, dans le Pays Voironnais, on joue, dites-moi en deux mots Guy, il y a beaucoup d'harmonicistes ? Alors, l'association Harmonica du Lac aujourd'hui compte une cinquantaine de sympathisants, dont à peu près une trentaine s'entraînent, enfin s'initient et s'entraînent.
de façon régulière, puisqu'on a deux fois par mois. Et il se trouve qu'une fois par mois, Barfoutiano, qui est aussi un professionnel local, hein, puisqu'il habite à la Bisse et que c'est l'ancien cofondateur des Montagnes Maine. Oui, bien sûr. Et il vient nous voir une fois par mois pour justement nous faire intégrer le rythme et puis les techniques. D'accord. Vous jouez d'un autre instrument, Rachel ? Forcément, moi, quand on est musicien. Vous chantez aussi ? Oui, je touche un petit peu à la guitare aussi. Ouais. Mais c'est juste pour composer, pas sur scène. D'accord. Vous faites le tour de France avec votre harmonica, d'Europe, du monde ? Oui. On est allé jouer à Tulsa, par exemple, à l'été 2022, avec Philippe Hervouette, donc, qui est mon partenaire. Oui. Et à la ville, à la Seine, et avec qui en fait on est parti jouer en Europe, en France. C'est la première fois que vous venez dans notre département, dans le Pays Voironnais, où vous connaissiez. C'est pas la première fois. On est venu déjà en juin dernier. En fait, je crois qu'on se voit à peu près deux fois par an. Très bien. Depuis quelques années maintenant. Et vous me faites un peu de country parce que j'aime bien la country aussi à l'harmonica. Ah, magnifique, parce qu'il y en a beaucoup qui dansent de la country également, il y a des associations comme cela. C'est remarquable, j'adore cet instrument. Et comme vous nous l'avez dit, Rachel, c'est vos parents qui l'ont mis dans la chaussure à Noël. Exactement. Et vous l'avez pris, vous êtes rentré dans la chambre avec. C'est ça. Mais ouais, bah après, ça il y en a qui mettent une guitare. Oui. Moi j'ai essayé avec mon fils, jamais il l'a touché. Donc j'aurais peut-être dû lui glisser une harmonica. Mais c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Merci on beaucoup. On sera en concert. Oui. Le concert. Où ? À la Buisse, le 8 décembre. 8. Organisé par la municipalité de la Buisse. Vendredi prochain. Et financé par la municipalité de la Buisse. D'accord. Exactement. Et ce concert est très important car on accueillera aussi Yano Barfoot. Oui. Et sa chanteuse Isabella. Exactement. On sera là-bas avec Philippe Hervouette pour vous proposer un concert à 20h en deuxième partie du concert jeune public qui se déroulera à huis clos pour les familles juste avant. Vendredi prochain, vous notez la date, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Vendredi 8 décembre. Ouais, et vous allez découvrir tout cela. Un dernier mot, il nous reste 15 secondes pour finir, Guy, Rachel. Harmonica du Lac est partenaire en totalité sur ces opérations de la tournée de Rachel. Alors, il faut savoir qu'on recherche à avoir des contacts permanents pour sensibiliser les enseignants dans les écoles. Oui. De façon à ce que Rachel puisse leur apporter la bonne nouvelle et la bonne musique, la bonne note. Et donc, notre boulot, nous, dans notre association, c'est d'aller taper aux portes des enseignants pour leur proposer, par exemple, actuellement, on a des contacts avec plusieurs écoles, dont des collèges. Il y a peut-être des enseignants qui nous écoutent ce soir, qui rentrent à la maison. Ça s'appelle l'harmonica du lac. À Charavine, vous tapez, vous trouvez le numéro, vous les appelez et puis on organise des projets. Exactement. Merci à tous les deux. Merci infiniment de nous avoir accueillis. Bah de rien, c'était un réel plaisir de faire découvrir tout cela à nos auditeurs. C'est vrai que ça change des sujets dont on parle tous les soirs durant cette demi-heure, mais c'est très bien ainsi.